Bonjour, je m'appelle Ronan. J'aime la musique et je suis un geek. Je suis plutôt nouveau dans le monde du Python. Et puis, je vous parle aujourd'hui de mon premier projet en Python. J'avais en fait un petit script qui me permettait de récupérer des ID de vidéos YouTube pour en faire une playlist. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en faire un petit site Google App Engine qui va me permettre de crawler le web et puis de créer des playlists. Et ça me fera un petit site de découverte musicale simple. Donc le site est en ligne, vous pouvez le visiter. Et là, peut-être que certains d'entre vous se disent, bon, le coco, il commence le Python. Il faut faire du Google App Engine, de l'authentification pour un premier projet. Bah, bon courage, et vous avez raison. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Donc, j'ai eu des milliards de problèmes et j'ai posé, comme vous pouvez le voir, des milliards de questions. Mais dans tout ça, et puis c'est l'objet de mon talk d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une chose qui était vraiment fabuleuse, c'est l'outil me permettant, en tant qu'utilisateur de Google App Engine, d'avoir du support de la part des développeurs et de la part de gens compétents. Parce que, en fait, l'équipe de Google App Engine a fait le choix d'utiliser Stack Overflow comme canal de support. Quand on va sur leur page de support, ils dirigent les gens qui veulent poser des questions à propos du développement interne vers les mailing lists et ils dirigent tous les autres vers Stack Overflow. Et il y a un type particulier et ils surveillent les réponses. Pourquoi c'est si intéressant en tant qu'utilisateur ce canal de support? Je vais un peu faire l'apologie de Stack Overflow. Parce que Stack Overflow a une culture qui incite à poser de bonnes questions. Si vous n'avez jamais lu ce blog post de Jeff Atwood, le fondateur de Stack Overflow, je vous encourage fortement à aller le lire. C'est un post qui explique ce qu'il recommande de faire quand on tombe sur un problème. Et il appelle ça « rubber duck problem solving » parce que j'ai un problème. Qu'est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? Eh ben, je vais m'imaginer qu'il y a un petit canard en plastique qui est sur mon bureau. Ou si j'ai un collègue qui est là et que je peux lui parler, c'est encore mieux. Mais au pire, j'ai toujours mon canard en plastique. Et au canard en plastique, je vais lui exposer mon problème. Je vais lui définir mon problème, je vais préciser des conditions, je vais donner un vocabulaire. Et puis à la fin, peut-être que j'aurai tellement bien expliqué mon problème que je l'aurai résolu tout seul. Ou au pire, la question sera prête, correctement posée et puis prête à trouver des réponses. Donc c'est pas juste une culture, mais c'est aussi supporté par une interface utilisateur et des fonctionnalités qui sont là et qui supportent tout ça, avec du bon formatage, avec une bonne séparation des questions, des réponses. On pourra insérer plein d'autres fonctionnalités intéressantes dans ce cadre-là. Tout ça pour dire que c'est des choses qui sont faisables avec des mailing lists HTML. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais seulement en théorie. En pratique, il va y avoir sur une mailing list HTML des gens qui répondent au-dessus, des gens qui répondent en dessous, il y a le formatage qui se perd. De temps en temps, il faut faire le ménage, et puis c'est vite difficile. J'ai pas de point 3. Tout ce que je veux dire, c'est que nos outils de développement, nos outils de collaboration s'améliorent énormément. Il y a DevOps Montréal qui est là pour en témoigner. Mais par contre, côté support, alors que c'est très important pour les nouveaux utilisateurs, pas tellement. Il y a beaucoup de projets, open source ou pas, qui sont encore coincés avec des mailing lists. Et ça rend la tâche un peu difficile pour les gens qui abordent les projets. Donc moi, ce que je souhaite dire ce soir, c'est et si pour votre prochain projet, vous choisissiez vraiment votre outil de questions-réponses. Quelques limites, quelque chose, des choses que je ne dis pas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas besoin de doc, bien sûr. Ça ne veut pas pour autant dire que qu'avoir Stack Overflow comme canal de support vous libérera de newbies qui posent des questions stupides. Je suis la preuve vivante qu'il y a toujours des newbies qui posent des questions stupides. Ça sera arrivé aussi avec une mailing list. Enfin, plein d'autres choses. Et puis, j'ai bientôt plus de temps. Alors, plutôt que de dire ce que je ne dis pas, je ne vais pas le dire. Tout ce que je dis, c'est pour votre prochain projet, ayez une mailing list. Ça sert pour la discussion. Mais considérez aussi la possibilité d'utiliser un canal de support plus adapté à ça, comme par exemple Stack Overflow plus un taille ou Asbot. Et vous serez plus content et vos utilisateurs aussi. C'est tout, merci.